Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première. On va changer un peu d'organisation, on va dire, dans le calendrier maintenant. On aura du ouverture rétro. Donc dans l'ouverture rétro, il y aura des boosters à partir de noir et blanc. Donc ce sera noir et blanc et plus ancien. Alors on se fera aussi des packs, des duo packs, des tri packs, des pokébox, enfin voilà, tout ce qui est quand même assez ancien. Donc ce sera une fois par semaine. Je sais pas encore quel jour, il me semblait, voilà, on en avait parlé un peu, mais je sais plus du tout. Le jeudi, non, vous savez ce que c'est. Ouais, peut-être le vendredi en fait. Ce sera peut-être le vendredi. Donc là, bon, c'est juste histoire de voir si ça peut vous plaire. Donc on fera plus du 50 000 boosters différents en noir et blanc. Non, ça c'est fini. Bon, ce sera pas toujours non plus 4 boosters. Hein. Ce sera peut-être une fois 10 boosters ou voilà, ou plus ou moins, ou peut-être un seul si jamais c'est un gros booster. Du coup, voilà. En même temps, j'en profite juste pour vous dire ce qui pourrait devenir le planning des prochaines semaines. Oui, des prochains temps, quoi. Donc, en gros, du coup, dimanche, il y aurait brocante et ou display, en fonction. Hein. Donc, une fois, ce sera Desi, une fois, ce sera moi. Le lundi, on voulait faire les vidéos en duo. Donc ça, on est encore en train de regarder un peu. Mardi, de sûr, c'est que Desi, elle fait ce qu'elle veut, elle a quartier libre. Le mercredi, il y aura soit rien, soit une réception. Donc réception, ça peut être réception achat ou réception PCA. Sinon, il y aura rien, ce sera un peu le jour de repos, on va dire. Donc le jeudi, ce seront soit des mégas ouvertures, soit des multis ouvertures. Je pense plus à des multis ouvertures. Le vendredi, donc comme dit, ce sera les ouvertures rétro. Donc là, pareil, hein, des packs, des Pokébox, mais vraiment à partir de noir et blanc et plus vieux. Pas plus vieux comme le temps dehors, hein, plus vieux, plus âgé, quoi. Bon, vous avez compris, hein, bon, on passe la blague. Et le samedi, donc du coup, ce sera toujours le fameux « on vous fait plaisir ». Voilà, en espérant que tout ça, ça vous ira. Donc nous, aujourd'hui, ce sera un peu calme, parce que demain, c'est une méga multi-ouverture. Demain, ce sera donc tout le bloc XY. Deux boosters de chaque série, donc en gros 28 boosters, 14 séries, 28 boosters, donc ce sera quand même une méga multi. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est calme, hein, on va y aller doucement. Voilà, on va juste se faire 4 petits boosters noir et blanc destiné futur. On va les garder dans cet ordre là parce que Mewtwo, parce que Reshiram, voilà. Donc on va faire ça comme ça. Donc on va tout de suite y aller, hein, on a assez blablaté. Donc j'espère juste que ça vous plaira plutôt que de voir voilà, plutôt que de voir très souvent des vieilles séries. Bon, autant faire une fois par semaine quelque chose de pas trop mal. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça peut vous aller, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Nous, on vous écoute, hein, comme d'hab. Hein, donc voilà, donc allez, on est parti. Donc avec un petit Rachid, enfin un petit, bon je me comprends. Emolga, Centre Pokémon, Tarsal, Darumaron. En même temps, on pourra vraiment profiter des illustrations, hein, pour le coup. Kungfuin avec la petite fontaine derrière, j'adore. Caninos, Farfuret, Emolga en reverse. On n'a pas eu Emolga juste avant, nous aussi. Hein. Et on termine avec un petit Loclas. La carte est magnifique. Moi, perso, j'adore. Voilà, il est content, il est dans l'eau, il y a le petit pont derrière. C'est top. Allez, on enchaîne avec le Regigigas. Regigigas, Regigigas. Enfin, bref. Tac, c'est parti. On ouvre ça. Par contre, je sais pas vous, mais il pue. Hein. Franchement, ces boosters, ils puent. C'est incroyable ce qui pue, quoi. Le petit code, il est pour vous, tac. Moi, perso, je trouve que c'est booster pu. Après, bon, voilà. Pont Sagiciel, très belle carte aussi. Rachid, une énergie prisme en énergie spéciale. Farfuret, Pois Chijon, Archéomir, Flamajou. Celle-là, je l'avais déjà dit, mais j'adore cette carte. Franchement, je l'adore. Il est en train de cuire sa petite nourriture, là, c'est topissime. Muna, Flotoutan en reverse. Et on termine avec un Darumacho. Elle est pas mal, bon, j'aime pas trop le Pokémon, hein, voilà, mais bon, la carte est pas mal. Hein. Franchement, en soi, ouais, la carte est top. Allez, on enchaîne avec le petit Reshiram. Il ne faudrait plus que je me trompe, ce serait la meilleure de l'année, celle-là. Tac, le petit code, il est pour vous. Pardon, excusez-moi.
Ah, oh là là, décidément. Allez, Bargantua, Kirlia, Rondoudou, il est trop mignon. Tadmorve, Starry, Funessir, Polarume, Kaninos, Loclas en reverse. Très belle carte aussi. Il n'y a pas. Ouais, c'est vraiment top. Et on termine avec un petit Bagaïd en holographique. Alors, la carte est super belle et en plus, on l'avait pas. Donc, bah, que dire? Voilà, non, c'est top. Non, franchement, c'est top. Voilà, même si on n'a rien aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, normalement, ça devrait être différent, hein, quand même, parce que 28 boosters. Et on termine avec le petit Mewtwo. Il n'est plus besoin de rappeler que j'adore Mewtwo, bien entendu. Alors, attendez, j'ai un peu mal ouvert. Tac, on fait ça comme ça. Tac, le petit code, et on va terminer. On termine déjà. Allez, Multi-XP, Pont-Sagittiel, Luxio, Riolu, Starry, Grenipio, Hippopotas, Kungfuin, Darumacho en reverse, en rare reverse du coup. Et on termine avec un petit, bah ok, un petit Pashmina holographique. Bon, on n'aura pas eu d'ultra, mais c'est pas grave. La Pashmina, je ne sais plus si on l'avait. C'est quoi ça derrière là par contre? Qu'est-ce que... Mais c'est... Enfin bref, voilà, donc bah voilà, bah écoutez, on n'aura pas eu d'ultra, on aura eu deux holographiques, sur quatre boosters destinés futurs, bah c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, mais il n'y a pas de souci, hein, je vous promets, avec ce qui nous reste en destinés futurs, je veux retomber sur un Mewtwo foulard, il n'y a pas moyen, voilà, il n'y a vraiment pas moyen. Bah du coup, je vous fais pas de récap, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose, voilà, c'était une toute petite ouverture pour prévoir celle de demain qui sera énorme. Franchement, l'ouverture de demain sera énorme. Bah du coup, bah voilà. Bah n'hésitez pas, tiens, à me dire en commentaire lequel vous préférez. Moi perso, c'est le Bagaïd. La carte est magnifique, les couleurs sont trop belles. Vraiment trop trop belles. C'est qui d'ailleurs qui a fait ça? Naoki Saito. Ouais, bah respect. La carte est super jolie. Ouais, elle est top. Bah écoutez, bah voilà, bah vidéo terminée. Comme d'hab, hein, vous le savez, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous prépare aussi un prochainement, bon je sais pas encore quand, mais prochainement, un petit compte Facebook, Twitter. Donc si jamais, voilà, donc on en reparlera, on aura le temps d'en reparler. Bah écoutez, bah voilà, bah la vidéo elle est terminée, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dès demain pour une méga multi-ouverture. On retrace toute l'histoire du bloc XY. Et va y avoir du boulot, je vous le dis. Allez, profitez bien et profitez à fond de votre passion, parce que si je change mes phrases, ça va pas aller. Quant à nous, bah on se retrouve dès demain. Allez, salut tout le monde.